Bonjour. Dans cette nouvelle activité de conjugaison, on va faire la correction des exercices du futur simple de l'indicatif. L'objectif, c'est de conjuguer, de savoir conjuguer au futur simple de l'indicatif les verbes du premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Et dit verbe usuel. Premièrement, dit l'infinitif et le groupe des verbes en couleur, à quel temps sont-ils conjugués? Tout le monde aime se promener en forêt. Voilà le verbe. Ito Isaiah font une collection de feuilles mortes. Les randonneurs se réunissent et traversent la forêt. On a le verbe aime, font, se réunissent. L'infinitif, si aimer, faire, se réunir. Si R, premier groupe, RE, troisième groupe, IR, deuxième groupe. On passe à l'exercice. Lis le texte. Voilà le texte. Dimanche prochain, nous irons en promenade en forêt. Nous observerons tous les êtres vivants qu'on y trouvera, mais on ne les tue pas. Amzil, notre ami l'artiste, remplira son sac de feuilles mortes et de sobrindilles. Il fera de jolis tableaux avec ce qu'il ramasse. Nous, nous reviendrons chez nous le soir. Nos parents seront très contents de nous. La question. Souligne les verbes de chaque phrase. Nous avons souligné en rouge le verbe de chaque phrase. Quand se passe l'action de ce verbe? Quand se passe-t-il l'action? Est-ce que au passé, au présent ou au futur. L'action, on regarde d'après les verbes, l'action se passe au futur. Dit l'infinitif de chaque verbe, à quel temps sont-ils conjugués? Voilà les verbes et son infinitif. Errant, le verbe errant, c'est aller à l'infinitif. Se conjugue au futur de l'indicatif. Observeront, observer, même futur de l'indicatif. Tu trouveras, trouvi, futur de l'indicatif. Tu iras, tu, futur de l'indicatif. Remplira, remplir, futur de l'indicatif. Fera, faire, futur de l'indicatif. Ramassera, ramasser, futur de l'indicatif, viendront, venir, futur de l'indicatif, sauront, être, futur de l'indicatif. Voilà les verbes, voilà l'infinitif des verbes, voilà le temps de conjugaison. Cinquièmement, conjugue le verbe observer, puis le verbe aller
au futur à toutes les personnes quelles sont les terminaisons utilisées. Voilà le verbe observer. Voilà le verbe aller. Voilà j'utilise. J'observerai. Tu observeras. Elle observera. Nous observerons. Vous observerez. Elles observeront. Pour le verbe aller, on a j'irai. Verbe aller. J'irai. Ira. Il ira. Nous irons. Vous irez. Elles iront. L'infinitif si a. Si a i. A s a. O-N-S-E-Z-O-N-T. Règle pour le futur. Le futur exprime une action. Il se déroulera plus tard, après-demain, prochainement. Par exemple, nager, le verbe nager. Voilà les pronoms personnels. Je, tu, elle, elle, nous, vous, elle, elle. Le verbe conjugué au futur. On garde le verbe comme il est. Plus la terminaison a e, a s, a, o n s, o z, o n t. On lit je nagerai. Il nagera, il nagera, nous nagerons, vous nagerez, ils nageront. La terminaison si A-I, A-S, A-O-N-S, Z-O-N-T. Ici, on a souligné les verbes conjugués au futur simple de l'indicatif. Souligne le verbe. Voilà. La randonnée durera, voilà le verbe, plusieurs fois, plusieurs jours. Nous applaudirons les promeneurs attentifs. Voilà le verbe applaudir. C'est ici le verbe dire. Le vent bouge les branches des arbres. Non, et si bouge au présent, c'est pas au futur. Tu n'abattras pas les arbres. Abattre. Vers abattre. Ici, conjugue les verbes au futur simple de l'indicatif. Voilà les verbes. J'ai déjà fait cet exercice. Ce week-end, en forêt, nous ramasserons des champignons pendant que ma grande sœur choisira un endroit pour camper. Avant la nuit, nos parents monteront des tentes et feront le repas. Nous prendrons le dîner ensemble. Voilà, j'ai déjà conjugué le verbe ramasser, le verbe choisir, le verbe montrer, le verbe faire, le verbe prendre. Ici, compléter les phrases en conjuguant les verbes au futur simple de l'indicatif. C'est le même exercice que 6. Demain, à l'occasion de la journée de la terre, nous planterons des arbres. Le verbe planter. Nous planterons. Est-ce que vous organiserez 10 jours en campagne? Cet été, le verbe organiser.
vous organiserez. Le garde forestier transportera l'animal blessé chez le vétérinaire. Transporter. Verbe transporter. Et c'est la fin du cours. Essayez de corriger les erreurs. Et merci, à bientôt.